Bonjour, ça va? Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon en orthographe, comment compléter un mot par une syllabe pour construire un mot. La dernière fois, nous avons fait un exercice phonétique sur, bien sûr, le son M et surtout accompagné du son A pour différencier le son A des autres sons. Le son I, le son E, le son O, le son U et le son Y. Le son U. D'accord. Mais avant de passer à cette nouvelle leçon, je vais quand même vous lire et vous rappeler le thème déjà choisi pour accompagner cette série d'épisodes. Je vais vous lire. A. Donc, nous avons dit que l'alphabet français est constitué de 26 lettres, dont 6 voyelles. Et le reste, bien sûr, ce sont des consonnes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et l'ensemble, bien sûr, des voyelles, petite a ou a minuscule, ce sont bien sûr écrits sous forme de façon minuscule, et ça, c'est écrit sous forme de majuscule. A, U, I, O, U, Y. Et le thème, bien sûr, choisi, c'est l'école. Quand même, je vais vous rappeler, bien sûr, au moins le petit paragraphe que nous avons construit, bien sûr, dès le début de cette série d'épisodes. Sur l'école. Qu'est-ce que c'est l'école? L'école, en réalité, l'école. Où la vie est l'école, dont l'apprentissage n'a pas de limites ou n'a pas de frontières. Il s'avère de cela que l'école assure une mission ou accomplit une mission sacrée envers la société. De ce fait, l'école est un établissement d'enseignement et d'éducation. Pour bien sûr des générations futures. Donc, passons maintenant à la leçon de l'orthographe sous forme d'une petite évaluation, bien sûr, pour le son M, associé bien sûr à l'ensemble de ces voyelles. Ici, regardez, on a ça. Zachary, c'est quoi ça? Un moto. C'est pas un. Une moto. Une donc, moto. Très bien, Selma. Quand je vous donne la permission de parler, tu parleras, d'accord? D'accord. Donc, ici, on va compléter par mot. Selma, par mot. Très bien. Ça y est. Moto. Très bien. Répète, Selma. Moto. Très bien. Ici, c'est quoi ça, Zakaria? Tomate. Une tomate. Donc, on va compléter par ma. Très bien. Passons maintenant à la montre. Regardez, la grande aiguille et la petite aiguille sont tenues deux sur le 12. Donc, c'est 12 heures pile. Et si 2 heures pile, c'est quoi? 2 heures pile, c'est? Midi. Midi, très bien. Midi, c'est le milieu du jour. C'est le temps qui s'écoule entre le lever du soleil jusqu'aux 12 heures. Très bien, midi. Répète seulement, midi. Midi. Très bien. Maintenant, le quatrième mot. Zakaria, le quatrième mot? Menu. Menu. C'est quoi le menu? Le menu, c'est une sorte, bien sûr, de papier de cette forme, sous forme de cahier, que le garçon au restaurant donne au client pour choisir un plat ou une recette préférée. D'accord, Selma? D'accord. Très bien. On va compléter par me. Répète, me. Me. Très bien. Passons maintenant au cinquième mot. C'est quoi ça? Une pomme. Très bien, Selma. Applaudissez-la, Zakaria. Applaudissez-la, les enfants. Très bien. Très bien. Pomme.
Donc ici, on a complété par me. Répète par seulement me. Très bien. Et ça, c'est quoi ce qu'il y a? Ballon. Non, c'est pas un ballon. Non, lève le doigt. Pour parler, on lève le doigt. Seulement ballon. Non, c'est pas. Elle a la forme d'un ballon, mais c'est pas un ballon. C'est un fruit. C'est melon. Très bien, c'est un melon. 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 C'est un fruit sucré dont la chair est très sucrée. Très, et c'est très bon pour la santé. Passons maintenant au septième mot. C'est quoi ça? Seulement, c'est quoi? Très bien, oui. Automobile. Automobile. Oh, une voiture. Très bien, automobile. L'automobile ou la voiture sert à déplacer bien sûr les gens ou rendre service aux gens comme le cas des taxis, etc. Donc c'est très important dans notre vie. C'est quoi seulement une... Une... Maman. Très bien, une maman. Qu'est-ce qu'il fait la maman? Il tient son bébé entre ses bras. Qu'est-ce qu'il le caresse et il le... L'embrasse. Maman. Très bien. Maman. Donc, passons maintenant au dernier mot. Non, avant le dernier. Donc, la semaine. Les jours de la semaine. C'est quoi les jours de la semaine? Lundi. Mardi. Mardi. Donc, mardi, c'est le deuxième jour de la semaine. On va compléter par ma. Très bien. Mardi. Répète seulement mardi. Mardi. Très bien. Maintenant, passons à la phrase que dit la femme. Qu'est-ce que fait la femme? La femme attend le bus de l'autre côté ou de l'autre direction. Yani? Chut! Non, tais-toi. Tais-toi. On ne parle pas en arabe, on parle en français. Je mange une... Seulement une... Une... Pomme. Très bien, je mange une pomme. Très bien, seulement. Tu es très active aujourd'hui. Donc, tu es active. 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 Très bien, active. En arabe, nashita. Très bien. Donc, je mange une pomme. Qu'est-ce que dit la femme? Je mange une pomme. Répète seulement. Je mange une pomme. Répète ce qu'elle y a. Je mange une pomme. Très bien. Donc, j'espère que cette leçon est très bien comprise. Merci, à bientôt.